20 janvier, l'armée malienne plus forte que jamais, ils étaient 4700 militaires et paramilitaires, a défilé ce matin sur le boulevard de l'Indépendance. C'était sous le regard attentif du président de la République, chef suprême des armées, Ibrahim Boubacar Keïta. Un seul objectif pour cette armée réunifiée, la défense et la sécurisation du Mali et des Maliens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à cette édition, édition consacrée à la célébration du 20 janvier, la fête de l'armée malienne. 53e anniversaire donc de notre vaillante armée. La fête était belle ce matin sur le boulevard de l'Indépendance. Défilés et démonstrations militaires, présentation de drapeaux, bref, tout était réuni pour montrer la force qui constitue aujourd'hui l'armée malienne. D'ailleurs, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a tenu à rappeler que tout sera fait pour que cette armée soit à hauteur de mission. Les détails avec Amadou Sankaré. C'est sur une distance de plus d'un kilomètre que s'est déroulé cet imposant défilé. L'assistance a vu passer successivement les différents corps des forces armées et de sécurité. Ici, pas de faux pas, puisque les troupes avaient procédé à plusieurs entraînements et même fait des tracés sur le boulevard de l'Indépendance pour savoir où exactement mettre le pied. Cette célébration du 53e anniversaire de l'armée qui intervient après la crise politico-sécuritaire que notre pays a connue constitue un nouveau départ pour elle. L'armée malienne est de retour. Je pense que tout ce qui pouvait en douter encore ont été édifiés ce matin. Dans lui là, des hommes résolus, déterminés, à défendre la partie, partout. Monsieur le Président, un message pour les hommes qui sont au nord du pays en ce moment et tous ceux qui sont venus pour aider notre pays. Nous comptons sur eux. Ils sont l'espoir du Mali. Et qu'ils sachent que nous ferons tout pour qu'ils soient dans les meilleures conditions de servir ce pays-là. Tout, je dis bien tout. Inch'Allah. Donc, départ est donné pour la refondation. C'est évident, c'est clair. Que personne n'en doute. Auparavant, le président de la République, chef suprême des armées, a passé en revue les troupes au niveau de l'échangeur multiple à côté de la cité administrative. Quittons le boulevard de l'Indépendance, direction Sébénikoro, en commune 4 du district de Bamako. C'est là-bas où seront construits les 850 logements sociaux pour l'armée malienne. Et c'est juste après le défilé militaire que le président de la République a procédé à la pose de la première pierre de ces bâtiments. Ibrahima Traoré était sur place. C'est une première au Mali, des logements sociaux pour l'armée. La construction de 850 habitations démarre ici avec la pose de la première pierre par le président de la République. Un cadeau du 20 janvier, mais aussi un espoir pour les futurs ménages. Le chef de l'État engage ainsi un ambitieux programme qui vise à doter les forces armées et de sécurité d'un cadre de vie décent. J'ai toujours été indigné des conditions faites à nos soldats, à ceux qui servent la patrie, au risque de leur vie. Visitant Kati, nouveau chef du gouvernement en 1994, tout le Mali a vu mon indignation et mon émotion vivre. Et c'est de là qu'est partie la première idée de l'ordre de programmation militaire. Je suis dans cette même veine aujourd'hui, et que le gouvernement est tenu à mettre de manière prioritaire ce programme dans ces activités, mettent un grand soulagement et vivement que ces maisons soient terminées, que nous ayons un nouveau quartier avec des familles de militaires à l'aise et en confort comme ils le méritent, comme ces familles le méritent. Et je pense que ce n'est qu'un devoir de la nation auquel nous avons sacrifié ici ce matin avec bonheur. Vivement d'autres chantiers dans d'autres régions du Mali, que l'ensemble national soit couvert de sites de ce genre au profit des forces armées et de sécurité. La construction de ces logements sociaux s'effectue dans le cadre d'un partenariat public-privé entre l'État et la CIFMA. Ces logements seront bâtis en deux types. Les travaux dureront entre 14 et 16 mois. Il s'agit de faire un aménagement urbain
et un pôle de développement en réalisant tout ce qu'il y a comme commodité, voirie, assainissement, apport de l'électricité, amener de l'eau potable et maintenant réaliser les bâtiments. Il y a deux types de maisons, c'est-à-dire des F3 qu'on appelle deux chambres communément, deux chambres et un séjour, c'est-à-dire un salon et une salle à manger, et des F4 et trois chambres plus un séjour, c'est-à-dire salle à manger plus coin et repas. Le coût total de la réalisation des bâtiments n'a pas été précisé. Autre fait marquant de la cérémonie, la remise des couleurs nationales au président de la République par les enfants. Visiblement très ému, Ibrahim Boubacar Keïta indique à l'assistance et notamment au corps diplomatique que l'acte de cet tout petit est très symbolique. C'est d'une symbolique très forte. Et ces jeunes montent la voie. La défense nationale n'est pas de l'apanage des seuls militaires, des seuls gens en uniforme. La défense nationale concerne tous les citoyens d'un pays. Tous ceux qui sont conscients que la souveraineté se construit au quotidien, se défend au quotidien. Tous ceux-là sont en devoir de participer d'une manière ou d'une autre à la défense nationale, qui est multiforme, qui est complexe, qui embrasse tous les aspects de la vie. Et je suis très très heureux. Vous avez vu ce chérubin aujourd'hui me brandir un drapeau du Mali et me l'offrir. Je dis, cela nous rappelle tous au devoir sacré de défendre la patrie et que le drapeau du Mali ne tombe plus jamais. Et le président de la République est d'inviter ses compatriotes à plus de patriotisme pour bâtir le Mali nouveau. Le chef de l'État a eu droit enfin à un agréable bain de foule très encadré par les forces de sécurité. C'est à Kati où se trouve la stèle dédiée aux braves combattants tombés sur le champ de l'honneur. Le président de la République a inauguré cet après-midi le dit monument, un monument qui sert de témoin aux générations actuelles et futures. Mamari Koné. En érigeant une stèle dédiée aux morts pour le Mali sur la place d'armes de Kati, le gouvernement s'acquitte d'une obligation de mémoire et d'un devoir de reconnaissance. Un devoir de reconnaissance à l'égard de ceux qui ont donné leur vie pour que ce jour soit. Premier acte de cette cérémonie de reconnaissance, le président de la République découvre la stèle dédiée aux morts pour le Mali. Deuxième acte, Ibrahim Boubacar Keïta dépose une gerbe de fleurs au pied de cette stèle. Le chef de l'État dévoile ensuite le timbre poste Le Serval, initié par la Poste de Défense en partenariat avec le ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Devoir de mémoire et de reconnaissance. Et je crois que cela est dû. Quand des hommes ont donné leur vie pour servir la patrie, je crois qu'en retour, ces hommes-là méritent que l'on se souvienne d'eux pour l'éternité. Que les générations sachent ce qui a été fait. Par ces fils, par ces hommes-là pour le Mali. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, la symbolique de la date du 20 janvier s'est enrichie au fil de notre histoire pour atteindre un contenu désormais universel. Nous rendons donc hommage en ce jour aux résistants tombés lors de la conquête coloniale, aux héros inconnus de la lutte pour l'indépendance du Mali, aux défenseurs de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale, aux soldats maliens et étrangers tombés pour la libération des régions du nord de notre pays. Depuis plus de 5 décennies, notre pays participe à des missions de maintien de la paix en Afrique et hors du continent. De 1960 à tout récemment, le Mali a fourni plus de 2000 hommes, militaires, gendarmes et policiers, qui ont été déployés du Congo à Haïti, en passant par l'Angola, le Burundi, la Centrafrique, le Darfour, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Rwanda et la Sierra Leone. Le ministre de la Défense et des anciens combattants s'est également réjoui de la contribution de la communauté internationale pour le retour de la paix au Mali. Par un juste et éloquent retour de l'histoire, nous avons eu droit à un engagement total de la part de nos amis quand nous avons été à notre tour confrontés à une terrible tragédie. Pour la libération des régions du Nord, pour le rétablissement de son intégrité territoriale, pour la sécurisation de ses populations. Notre pays a bénéficié d'une solidarité internationale d'une ampleur exceptionnelle à travers la MICEMA, les forces armées tchadiennes en intervention au Mali, la MINUSMA et Serval. Nos pensées vont en cet instant aux valeureux combattants amis tombés lors des affrontements
et dont le sacrifice scelle à jamais un pacte de sang entre nos peuples. Pour conclure, le ministre Soumaïlou Boubaï Maïga dira que les forces armées maliennes sont totalement mobilisées pour assumer les exigences impératives et immuables que sont la défense et la préservation de l'intégrité territoriale. Et venant sur le boulevard de l'Indépendance, pour ceux qui ont pu suivre l'événement en direct ce matin sur l'ERTM, vous avez sûrement constaté la solidarité internationale avec le défilé des troupes étrangères aux côtés des FAMA. Il s'agit de la force Serval, de l'EITM et de la MINUSMA. Plusieurs invités, dont certains venus spécialement pour l'occasion, saluent la renaissance et la reconstruction de l'armée malienne prônée par le président de la République. Mohamed Diarra nous en dit plus. Pour ce gigantesque défilé militaire pédestre, les pays amis ont manifesté une fois de plus leur solidarité avec le peuple malien. La force Serval était présente avec deux sections aux côtés de leurs frères d'armes maliens. La mission de formation de l'Union européenne a défilé avec quatre pelotons de 15 éléments, parmi lesquels des militaires français, belges, allemands et espagnols. L'EITM est engagé dans la formation des unités combattantes des forces maliennes à Koulikoro. Aujourd'hui, quatre bataillons sont formés et opérationnels sur le théâtre des opérations. Autre présence remarquable au cours de ce cérémonial, ce fut celle de la MINUSMA. La mission onusienne est engagée au Mali pour la stabilisation de notre pays. Deux pelotons de cette mission ont défilé devant un parterre de personnalités politiques et militaires, parmi lesquels le ministre français de la Défense, qui ne cache pas sa satisfaction d'y voir une armée malienne qui s'est reconstruite. C'est un défilé de très grande tenue, avec des forces maliennes qui donnent une très belle image de ce pays et qui sont en restructuration, mais je trouve très, très avancée, puisque la prestation et la qualité du défilé étaient vraiment remarquables. Je trouve que ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, c'est la formation de l'armée malienne qui se fait à Koulikoro, dans de très bonnes conditions, avec un soutien et une participation de l'Union européenne. Et ça va se poursuivre encore pendant 2 ans. Donc je garde de cette manifestation une très très forte impression. C'est un défilé impeccablement bien dirigé. Et ça montre que l'armée malienne, c'est une armée très, très organisée, très bien formée. Et c'est l'espoir de tout le monde de voir que ça contribue à la prospérité de l'Afrique et du Mali en général. C'est impressionnant. Je pense que ça montre que la nouvelle armée reconstruite est professionnelle, bien sûr, le terrain, mais aussi dans le cérémonial. Et je pense que, comme la promesse du chef de l'État, il s'agit de bâtir une armée forte, une armée disciplinée, une armée au service du pays. Une très bonne fête. Et je crois que c'est réellement la renaissance de l'armée malienne est en marche. La forte présence des partenaires techniques et des forces étrangères à la cérémonie du 20 janvier témoigne si bien est de la solidarité qu'exprime la communauté internationale pour le peuple malien. Célébration du 20 janvier toujours, c'est dans la joie et la ferveur que s'est déroulée la fête ici à Bamako. C'est ce qui nous signale en tout cas Agali Ag Agissa, qui a tendu son micro à quelques Maliens et Maliennes. Suivons ensemble. C'est dans l'enthousiasme que les différents corps des forces armées et de sécurité ont renoué avec les festivités du 20 janvier. Et ce sont des hommes visiblement fiers de défendre leur couleur nationale qui ont retrouvé le boulevard du peuple pour célébrer ce 53e anniversaire de l'armée. La fête du 20 janvier, ça se passe très bien. Nos autorités ont tout mis en œuvre pour que la fête soit très belle. Bon, ça a été très bien passé et ça va. Je suis très fier d'avoir participé à ce grand défilé qui était l'honneur des forces armées maliennes. La fierté retrouvée d'une armée qui défile devant sa population, accompagnée de troupes européennes. Je sens une douceur bien et ça fait de bonnes choses pour nous. Parce que grâce à ça, demain, on pourra suivre les grandes personnes. Le présent est bâti à partir du passé. À côté des hommes en activité, ont défilé également les anciens combattants, toujours fidèles à l'honneur du Mali. Nous demandons vraiment de s'inspirer sur les anciens dans beaucoup de domaines. Parce qu'une armée ne peut pas aller d'abord sans la discipline. Ce défilé a son sens propre. C'est un souvenir pour donner aux jeunes de ce qui s'est passé, de faire revivre encore leur mémoire, de leur faire connaître encore ce que c'est que les anciens.
La discipline seulement ne suffit pas, mais il faut être formé. Formé et discipliné sur toutes les armes. La population n'est pas restée en marge de l'événement. Les habitants ont pris d'assaut les emprises du boulevard pour montrer leur attachement aux forces armées et de sécurité garantes de l'unité nationale. Le 20 janvier, c'est une date inoubliable, mémorable pour les Maliens qui s'explique par l'évacuation des troupes françaises du territoire malien. Il faut montrer aux gens que nous sommes regaillardis et que nous sommes à la hauteur de toutes les attentes pour la défense du pays. Nous sommes là pour accompagner notre garde armée qui sort d'une guerre contre les terroristes et les djihadistes. Ce défilé que nous autres aussi plaçons sous le signe de la cohésion retrouvée au sein de cette armée. C'est la fête de notre armée, donc c'est une célébration pour tous les Maliens. C'est la fête de l'armée, c'est la fête de tout le monde. Je les souhaite bonne fête. Et maintenant, un focus sur le caporal Fatoumata Sy. Cette femme soldat a défilé ce matin parmi les 4700 militaires et paramilitaires. Comment a-t-elle préparé l'événement et comment a-t-elle évacué le stress avant d'entrer en scène? La réponse avec Garibou Pérou qui a bien suivi le caporal Sy. À la tête de ce défilé se trouve une jeune femme. Il s'agit du caporal Fatoumata Sy. Elle est tambour-major, c'est-à-dire que c'est elle qui conduit la formation musicale militaire de ce lundi. Devant elle, la voie est balayée, pas une moindre présence humaine. Une dizaine de mètres la sépare des autres. Cet exercice sollicite le corps et l'esprit. Fatoumata Sy saisit énergiquement sa canne, la vérifie. Point besoin de gants pour les mains. Elle présente hautement sa canne de commandement et donne le ton. C'est le défilé militaire du 53e anniversaire de l'armée malienne. Les pas bien cadencés, direction bien précise, ils sont 4700 militaires à défiler à son rythme. Elle manie la canne merveilleusement au milieu des répertoires musicaux. Arrivée au niveau de la turbine présidentielle, elle mesure toute l'importance de ses gestes, car ici, aucun geste inapproprié n'est toléré. Il faut donc réussir cette étape. Elle tourne à droite et rend ses honneurs au président de la République, chef suprême des armées, tout en gardant la précision de ses gestes. Une dizaine de pas plus loin, le tambour-major tourne à gauche, coupe le ton et s'arrête à tout court. Quelle science, quelle précision! Civils et militaires se sont rendus compte que le métier tambour-major exige un génie, un certain savoir-faire. L'admiration s'impose, le caporal Fatoumata Sy vient de concrétiser son rêve de gloire militaire. À présent, je vous invite à découvrir les coulisses du défilé. Entendez par là des réactions et des choses vues ici et là par notre reporter Alousséni Touré. Ils arrivent les uns après les autres, les ministres de la République. Plus tard, le premier d'entre eux, enfin, le président de la République, et la fête pouvait commencer. L'organisation a été soigneusement menée. Les véhicules officiels sont bien rangés. Pourtant, vers 9h encore, les spectateurs se faisaient attendre. En attendant, Madame ravissait la vedette. Munie de son drapeau, elle avait également accroché à son cou le portrait de deux personnalités. Allez savoir pourquoi. Le boulevard sera pourtant occupé un quart d'heure plus tard et l'on pouvait déjà enregistrer les premières réactions. Le 20 janvier, c'est une fête nationale pour les armées, mais pour nous aussi, nous sommes fiers de notre armée. Et aussi, c'est la fierté du Mali aussi. Aujourd'hui, on est tellement contents. Le 20 janvier, c'est une fête nationale. C'est une fête qui permet à la population civile d'évaluer la force de leur armée. Et c'est un peu satisfaisant pour tout le monde. Parce que quand on assiste à cette fête-là, on a encore plus confiance à nos forces armées. Et en ce moment, on est face à la vérité. Dans l'armée, il y a aussi un personnel de santé qui veille sur les troupes qui défilent.
femmes, jeunes et vieux saluent l'organisation de ce 53e anniversaire de la fête de notre armée nationale. C'est très content, on est très heureux. Les autres années, on n'avait pas fêté le 15e. Oui, parce qu'il y avait la crise, vraiment. On cherchait des solutions. Tous les mois, ça va. Je suis venu voir mes amis qui sont en train de se défiler. Vous êtes content? Très content, parce que ça m'a plu. Je souhaite bonne chance et heureuse année à l'armée malienne. Ceux qui n'ont pas fait le déplacement pouvaient suivre l'événement de bout en bout grâce aux médias. L'ORTM était bien sûr en première ligne. Au perché, sur les côtés du boulevard ou au milieu de la foule, tous les angles sont bien exploités pour une couverture intégrale. Un mot sur l'appui des forces étrangères au Mali. Revenons sur le discours du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Vous le savez, le président de la République s'est adressé hier à la nation à l'occasion de la fête de l'armée. Pour lui, aucun pays pris séparément ne peut venir à bout des défis sécuritaires auxquels le Sahel est confronté. C'est pourquoi des accords de coopération militaire seront bientôt signés avec d'autres États pour l'intérêt de notre pays et du Sahel. On l'écoute. La géopolitique de 2014 est loin d'être celle des années d'indépendance, hélas. Par nos fautes, nos errements, nos manquements, notre outil de défense s'est affaibli, et singulièrement affaibli. Pour un pays vaste comme le Mali, un pays comme le Mali qui est confronté à des défis multiformes, des menaces nouvelles, également multiformes, il est besoin aujourd'hui de solidarité, de temps de formation, de temps de mise à niveau, de temps d'aguerrissement des forces. Cela est indéniable. Et parce que aucun de nos pays, plus séparément, ne peut venir aujourd'hui à bout des défis auxquels le Sahel est confronté. Et parce que l'avenir peut être encadré par un accord qui lie les parties prenantes, rendant ainsi prévisibles les actions attendues. Dans cette même optique, nous envisageons de discuter, dans un proche avenir, d'accords de coopération militaire avec d'autres pays, sans exclusion inopportune, pourvu qu'ils soient soucieux et aptes à apporter une contribution efficace à nos efforts de stabilisation et de sécurisation du septentrion malien et au-delà de l'espace sahélo-saharien. Les accords de coopération militaire en discussion ou à venir ne tiendront compte que de l'intérêt du Mali, de tous les intérêts du Mali et des Maliens, tout en renforçant nos capacités et celles de nos partenaires à faire face à l'insécurité structurelle de l'espace sahélo-saharien. C'est tout le but du partenariat que nous voulons. Je ne suis pas venu pour vous tromper. Je ne suis pas venu pour manquer à l'espérance qui a présidé à votre choix. Je suis venu pour vous servir avec loyauté, avec fermeté, avec détermination, avec constance. Je resterai toujours loyal et je saurai compter sur votre sens national pour m'accompagner, pour me tenir debout dans le vent, dans la tempête, au nom de notre nation, pour la défense de sa dignité et de son honneur. Le chef de l'État a également souligné que la réforme structurelle de notre armée est en œuvre. Selon Ibrahim Boubacar Keïta, une loi de programmation militaire 2014-2018 sera bientôt adoptée, une loi dont le début de mise en œuvre permettra de consacrer la montée en puissance de notre outil de défense. La réforme structurelle de notre armée est en œuvre. Je veillerai personnellement à sa conduite pour qu'elle atteigne son point d'achèvement, à savoir cette belle ambition
de restructurer les forces armées. Trouver une solution définitive à la crise du Nord par un dialogue intermalien inclusif et au Mali, voilà la position tranchée du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Une position malienne qui semble être partagée par l'Algérie. De la conférence de presse animée par les ministres algériens et maliens en charge des affaires étrangères, il ressort une parfaite identité de vue entre les deux pays sur la gestion du conflit au nord du Mali. Ce qu'on veut, c'est clair, c'est un dialogue intermalien au Mali. Ces concertations visent à préparer pour ce dialogue intermalien, sur lequel notre position est très claire. Pour nous, c'est un problème interne. Toute négociation doit se faire au Mali, entre Maliens. Ce que l'Algérie n'a sans doute pas fait, c'est de douter un seul instant du destin unique du peuple malien, de douter un seul instant que l'avenir du Mali, c'est un avenir dans l'unité nationale, dans l'intégrité territoriale et dans la réconciliation et la démocratie. L'Algérie et le Mali entendent cheminer ensemble pour relever les défis de la sécurité, du développement et de donner un nouveau souffle à leur coopération bilatérale. Le pays d'Abdelaziz Bouteflika s'est dit attaché à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali. Un message est passé aux différents groupes armés réunis récemment dans la capitale algérienne. Il s'agit de consultations exploratoires. Nous n'en sommes donc pas arrivés à la phase où nous dirions que le dialogue intermalien est bel et bien relancé. Cela constitue un objectif, la relance du dialogue intermalien qui, selon nous, comme selon le gouvernement malien, devrait être abrité par la capitale du Mali, qui est Bamako. Premier point donc, discussion exploratoire qui, si vous me permettez une évaluation algérienne, discussion exploratoire qui aura été très positive de notre point de vue. Elles sont également prometteuses. Elles constituent une première étape, d'autres étapes vont suivre. Le fait que le président soit là, c'est clair que c'est un encouragement pour cette démarche algérienne, qui est une démarche qui n'est pas nouvelle, parce que vous savez, quand vous regardez le conflit du nord du Mali, l'Algérie est l'un des premiers pays concernés. Parce que de part et d'autre, nous souffrons de ces problèmes, du terrorisme, de l'instabilité, et nous avons en commun aussi cette volonté de pouvoir faire de ces régions une zone de stabilité, une zone de développement, dans l'intérêt des communautés qui sont interconnectées pendant des siècles. Les deux diplomates se disent résolument engagés à travailler pour le retour définitif de la paix au Mali. En Algérie, on est convaincu d'une chose, la sécurité dans la bande sahélo-saharienne se joue désormais au nord du Mali. Et cette visite de deux jours a été sanctionnée par un communiqué final. Dans ce communiqué, le Mali et l'Algérie s'engagent à renforcer leur coopération en matière de sécurité, d'énergie et d'économie. Les deux pays conviennent également de renforcer la coopération décentralisée entre les régions du sud algérien et le nord du Mali. Notre envoyé spécial est Bourama Traoré. En effectuant cette visite d'amitié et de travail en Algérie, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a tout simplement respecté une tradition, celle du dialogue et de la concertation qui unit les deux pays frères selon la présidence algérienne. Elle a permis de procéder à une évaluation des relations bilatérales entre l'Algérie et le Mali. Par la même occasion, dégager les voies et moyens à même d'assurer l'élargissement et le renforcement de notre coopération. La visite de deux jours du président de la République a été sanctionnée par un communiqué final, dans lequel l'Algérie réitère sa pleine disponibilité à accompagner le Mali dans ses efforts visant à consolider la sécurité et la stabilité, à préserver l'intégrité territoriale du pays et à réconcilier tous les Maliens. Cela conformément aux valeurs ancestrales de cohabitation et d'entente qui ont toujours prévalu au Mali, indique le communiqué. C'est dans ce cadre que les autorités algériennes ont engagé des efforts en vue de contribuer aux démarches en cours de la communauté internationale pour promouvoir un dialogue national inclusif
dans le respect des règles de transparence, de loyauté et d'efficacité, précise les textes. Les deux pays conviennent de renforcer la coopération décentralisée entre les régions du sud algérien et le nord du Mali. Maliens et Algériens se disent déterminés à aller plus loin dans leur coopération bilatérale en matière de sécurité, d'énergie et d'économie. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, quitte donc l'Algérie avec cette conviction, celle d'avoir réussi à réchauffer la coopération entre les deux pays. Une tournée diplomatique conduira les chefs d'État dans d'autres pays, toujours avec les mêmes objectifs, exprimer à haute voix la position du Mali sur la gestion de la crise du Nord. C'est demain, mardi 21 janvier 2014, que notre pays abrite la deuxième Assemblée générale du réseau des compétences électorales francophones. Une assemblée qui sera suivie d'un séminaire de 2 jours. La rencontre, qui sera présidée par le Premier ministre Oumar Tatamli, va regrouper de nombreux experts électoraux venant d'une vingtaine de pays. Quels sont les enjeux de cet événement? La réponse avec le président du réseau des compétences électorales francophones, qui n'est autre que notre compatriote, le général Siaka Sangaré. Il est au micro de Seydou Fomba. Le premier enjeu, ça c'est la bonne organisation. Après la création en 2011, les membres avaient souhaité que le Mali abrite la première assemblée générale. En 2012, cela relevait un peu d'un rêve. Donc ça n'a pas pu se tenir à Bamako. Et en 2013, les membres et surtout le bureau est revenu à la charge en demandant que le Mali abrite la deuxième Assemblée générale. Nous avons demandé d'attendre en fait la fin du processus électoral. Et juste après la fin du processus électoral, déjà le 15, même avant le 15 décembre, et le bureau a estimé que compte tenu de la réussite des élections au Mali, qui constitue en fait une référence dans la sous-région en matière d'organisation d'élections, de sortie de crise, qu'il est important que la deuxième assemblée et se tienne ici. Ça donne l'occasion de faire une évaluation et également d'élire un nouveau bureau. Le mandat est de 2 ans. Il s'agit aussi d'élire un nouveau bureau. Et ensuite, il y a un séminaire qui accompagne l'assemblée générale. Comme c'est l'occasion pour tous les experts de se retrouver, donc on fait d'une pierre 2 coups. En plus des assises de l'Assemblée, nous organisons un séminaire sur un thème précis. À Libreville, le thème central, c'était l'établissement des listes électorales biométriques. Et au Mali, le thème central, c'est la consolidation et la professionnalisation des structures en charge de la mise en œuvre des processus électoraux. Allez, du sport maintenant. Championnat d'Afrique des Nations 2014. Le groupe B a livré ce soir ses équipes qualifiées pour les quarts de finale. Il s'agit du Maroc et du Zimbabwe, vainqueurs respectivement de l'Ouganda, 3-1, et du Burkina Faso, 1-0. Ainsi, les Warriors du Zimbabwe seront face aux Aigles du Mali samedi prochain, alors que le Maroc va rencontrer le Nigeria. Le résumé des 2 matchs d'aujourd'hui, c'est avec Aljoumatina. Qualification du Maroc et du Zimbabwe en quart de finale de la 3e édition du CHAN. Pour ce faire, il a fallu au lion de l'Atlas du Maroc et aux Warriors du Zimbabwe de se battre jusqu'au bout lors de la 3e journée des matchs de poule contre l'Ouganda et le Burkina Faso dans le groupe C. Les Marocains opposés aux Ougandais ouvrent le score à la 29e minute par Rafik. Mais les Ougandais auront le mérite d'égaliser à la 60e minute par Junior Younous avant de sombrer par la suite, puisque les Lions de l'Atlas marqueront 2 autres buts par Yajou et Wadi. Avec ce score de 3-1, le Maroc se classe premier avec 5 points plus 2, suivi du Zimbabwe 5 points plus 1, qui obtient sa qualification après sa victoire d'un but à 0 sur le Burkina Faso, une réalisation de Mbabar à la 57e minute. Les Zimbabwéens seront ainsi l'adversaire des Aigles locaux en quart de finale, prévu ce samedi à 18h30. Auparavant, en premier quart de finale, le Maroc affrontera le Nigeria. Et vous pourrez suivre en différé après ce journal le match Zimbabwe-Burkina Faso et demain matin Maroc-Ouganda. Coup d'œil sur le match d'hier, vous le savez déjà. Les Aigles du Mali ont décroché leur billet pour les quarts de finale du CHAN en battant le Mozambique 2-1. Cette brillante qualification des nôtres a été saluée par les autorités. Retour sur le match Mozambique-Mali avec Siragatou Sissé. Les Aigles locaux du Mali en quart de finale du CHAN.
C'est une première en deux participations. Cette cuvée amenée par Djibril Dramé vient de frapper un grand coup en battant le Mozambique 2-1. Ibrahima Sidibé 48e et Idrissa Namaleko Traoré dans le temps additionnel sur pénalty ont marqué pour les aigles. Ceux-ci ont répondu au Mozambicain Josimar Marquez à la 39e minute. Score final 2-1 pour le Mali. Oh, je dis, nous, on est venus, c'est pas seulement pour le quart. On est venus pour avoir le sacre, on est là. Chaque match, c'est une petite finale pour nous. Donc, on va se battre jusqu'au bout. Le bout, c'est la finale. Donc, nous, on va se battre, que ce soit le quart ou le demi-finale, on va se battre jusqu'à la finale. Nous venons d'atteindre un premier objectif. Il nous reste encore trois autres objectifs qui, il faut le reconnaître, s'annoncent durs, mais on va rester concentré et préparé sérieusement. N'oubliez pas aussi qu'on était dans une poule extrêmement difficile avec des grandes nations comme le Nigeria, l'Afrique du Sud qui n'ont pas été du tout faciles à gérer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème de fatigue qui quand même mérite à notre niveau d'apporter quand même beaucoup de corrections afin de pouvoir bien continuer dans la compétition. À son retour d'Alger, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a tenu à féliciter les aigles pour cette qualification en quart de finale et leur souhaiter bonne continuation. Je voudrais féliciter l'équipe nationale et lui dire que le football aujourd'hui est devenu un enjeu international qui met aux prises les nations, chacune soucieuse de son honneur, de sa dignité. C'est comme autrefois le porte-drapeau sur le champ de bataille. Il ne faut pas que le drapeau du Mali tombe. Jamais. Et qu'ils le tiennent haut et qu'ils aillent au but avec pour le planter. C'est ce qu'on attend d'eux. C'est une belle étape, mais ce n'est qu'une étape. Bravo les aigles. Qu'ils volent encore plus haut. Le classement définitif donne le Mali premier 7 points, devant le Nigeria 6 points, l'Afrique du Sud 4 points et le Mozambique 0 points. Chance encore aux aigles. Place à présent à la chronique santé du jour consacrée à l'activité de la glande thyroïde. Si vous ne connaissez pas, sachez que cette glande est placée au niveau de la gorge et elle peut provoquer une maladie quand elle produit trop d'hormones. Elle peut encore provoquer une autre maladie si elle produit peu d'hormones. Dans les deux figures de cas, les spécialistes vous parleront d'hypo et d'hyperthyroïdie. Les explications, c'est avec Tchessira Damili. La thyroïde est une glande située ici dans la partie avant du cou sous la paume d'Adam. Elle a la forme d'un papillon et sécrète des hormones indispensables à la croissance osseuse, au développement mental, à la stimulation de la consommation d'oxygène des tissus et à la transformation des graisses et des sucres. Quand les hormones sécrétées par cette glande sont insuffisantes, cela provoque une maladie appelée hypothyroïdie. Mais quand ces mêmes hormones sont en excès, cela donne une maladie appelée hyperthyroïdie. Quand il y a une hyperproduction hormonale, les signes permettant de reconnaître cela, c'est donc la tachycardie, c'est-à-dire le cœur bat très vite, c'est des palpitations, le sujet sent que ça bouge dans sa poitrine, il y a de la diarrhée, il y a de l'amaigrissement, et il y a les troubles du sommeil et des troubles caractériels, angoisse, irritabilité. Donc tout cela peut se retrouver chez le malade, mais parfois pas ensemble. Et c'est ce qui fait errer le diagnostic. Donc si c'est simplement le digestif qui est au premier plan, le sujet a tendance à aller chez le gastro-entérologue. Si c'est le cardiaque qui est en premier plan, il a tendance à aller chez le cardiologue. Mais tout vient de là, et tant qu'on ne traitera pas la thyroïde, ces symptômes ne disparaîtront jamais. Mais est-ce qu'il y a des symptômes physiques aussi? Ces symptômes physiques, c'est essentiellement l'augmentation de volume de ce corps thyroïde. Et c'est son augmentation de volume qui fait qu'on l'appelle goitre. Le deuxième élément, dans cette certaine forme, dans ce qu'on appelle la maladie de Basedow, qui est une forme particulière, il y a l'exophtalmie, c'est-à-dire les yeux de la personne sortent. Dans le monde, l'hyperthyroïdie touche environ 2% de la population contre 1% pour l'hypothyroïdie. Par ailleurs, 80% des personnes souffrant de ces maladies sont des femmes. Ces deux affections s'expliquent par un faisceau de causes parmi lesquelles le terrain génétique qui fait que tout le monde, dans les mêmes conditions, ne développera pas une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie. La composante génétique est là, mais aussi parfois des facteurs environnementaux tels que les stress qui peuvent être un facteur déclenchant
de certaines hyperthyroïdies. Mais dans le contexte de l'hypothyroïdie, par contre, qui est l'hypofonctionnement de la glande, ça peut être une absence d'iode, une insuffisance d'iode dans l'alimentation. D'où la politique nationale d'iodation des aliments, du sel, pour essayer d'endiguer cette partie hypothyroïdie. La prise en charge de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie se fait correctement au Mali. En fonction de leurs causes et de leurs manifestations, les spécialistes associent prise d'hormones et opérations chirurgicales du goitre, une des manifestations physiques de la maladie. Quand on prend l'hyperthyroïdie, qui est donc l'hyperfonctionnement de la glande, normalement, on doit freiner cet hyperfonctionnement. Donc, ce freinage peut se faire par des médicaments qu'on appelle des antithyroïdiens de synthèse. Certains peuvent être poser quelques problèmes à certaines personnes. On peut ne pas pouvoir le supporter. Ou bien la chirurgie, ou bien l'iode radioactif. Donc, nous, présentement au Mali, nous avons surtout les médicaments. Et quand on stabilise la personne, on peut aller au versant chirurgie. Les chirurgiens jouent un rôle central dans le traitement des goitres. Ils jouent un rôle de diagnostic pour reconnaître le goitre, parce qu'il y a plusieurs types de goitre, mais également pour traiter le goitre, parce qu'il y a des goitres qui sont traités médicalement, mais qui terminent par la chirurgie, qui arrive donc à enlever le goitre. L'hypothyroïdie, qui est donc le non-fonctionnement de la glande, soit parce que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une lésion de la glande, ou bien il a été enlevé, ou bien il y a une carence en iode, c'est plutôt l'hormone qu'on doit donner. En fonction du type de goitre, par exemple, si c'est un goitre avec hypofonctionnement de la thyroïde, la chirurgie est une solution définitive au goitre. Mais il y a des médicaments qu'on va donner, des hormones qu'on va donner aux malades après l'intervention pour assurer la fonction thyroïdienne. Maintenant, si c'est une hyperthyroïdie, ça peut être effectivement une solution définitive à l'hyperthyroïdie et il n'y a même pas de traitement après parce qu'à ce moment-là, la thyroïde peut fonctionner avec une fourchette d'hormones normales. Il n'y a pas longtemps, les personnes souffrant d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie se promenaient longtemps avec leur mal. Aujourd'hui, l'information aidant, beaucoup arrivent à temps chez les spécialistes qui, dans le diagnostic, commencent d'abord par différencier l'hyperactivité de l'hypoactivité de la glande thyroïde. Point final à ce journal. Tout le plaisir était pour moi de vous le présenter. Grand merci à vous qui l'avez suivi en notre compagnie et merci également à ceux qui l'ont préparé. Demain, 10h, 13h, vous serez avec Mohamed Touré et moi, je serai là pour les éditions du soir. Et encore une fois, bonne fête à notre vaillante armée. Bonsoir à tous et à demain. De Kakadaoui, Aouka Sandan, Nisondia Kono, Orangi Fey, Fojangi Kaloutre Bisman Kolo, Tambaflan, Tamani, Aouka Fatur Sarao, Wari Tiu, Kawarita, Kawari Bla, Kakredisan, Kastanike, Ni Orange Monnaie, Nao Bersge Farati, Ni Tirajikera, Watan, Ovelase Aouma Dongodo, Nao Faturu Sara, Fouwa Moua, Abuse Gosro Dongodo, Nao Yawari Bla, Wali Kawarita, Kastanike, Walika Warichi, Ani Kredisan, Abuseka Million Kilin Soro Dogo Kunkono, Aouka Warichi Ufe, Avo, Aya Mekanye, Fou Million Kilin Dogo Kunkono, Orange Monnaie Sebabula, Ni Orange Monnaie, Aïsandam Menisandia Kono, Le Nouvel An, Change Veko.